13h30 sur le quai. Ça marche. Et ça fait 6000. Ok, ça marche. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Merci, Nana. Nana. On vient, on est sur un voilier pour payer la taxe, la redevance sur les ordures. Oui. Ouais. Je voulais avoir le nom de votre voilier. Bien sûr, il s'appelle Diatome, D-I-A-T-O-M-E-E. Donc, pour ça, c'est 2500. Ok, merci. Il y a un couple dans la piscine, ils font des selfies à retardement. Ça y est, elle rentre dans le jacuzzi. Elle a plein de colliers de fleurs. Les feux d'artifice sont à l'honneur du Heiva, le grand événement annuel qui célèbre la culture polynésienne. C'est parti! Satellite view. Currently we are here. This is the lagoon, the ocean and the Tiquita Pass. So two kind of current in the pass, current who going out and going in. During this time when we are on the reef, we will looking for some little animal in the coral rock, etc, etc. And when all is clear for all, I will go a little bit on the blue. Why we go on the blue? Because we can meet some dolphin maybe. Yeah. So sometimes dolphin come to ask us some scratch. Okay, so don't do it, please. Just stay motionless. We will never kick on dolphin. If you kick on them, they will leave directly. Less you will be curious, more they will be curious. Okay? And the moon.
Bonsoir. Bonjour. On vient d'arriver en voilier. Oui. Et on nous a dit de passer à la gendarmerie. Vous êtes arrivé d'où? De Tikao. Ah, ok. Et vous êtes passé par Papeete? Ah, tous les papiers sont en règle. Ah, on est arrivé en Polynésie il y a un peu plus d'un an. Ah, ok. Donc voilà, on nous a dit qu'il y avait juste une taxe à payer. En fait, ça faut voir avec la mairie, c'est pas nous qui récupérons les taxes. Alors, on a payé la taxe pour les collectes de poubelles à la mairie. Et il n'y a pas une taxe de séjour ou quelque chose? D'accord, non, je voyais qu'il fallait. À la mairie, alors c'est peut-être plus à jour, hein, mais c'était dans les guides des navigateurs, ils disaient de passer à la gendarmerie. Et voilà, il a raté à cause de toi. C'est pas grave, le faire encore. Alors nous sommes allés à la mairie acheter une carte. Cette carte se recharge et nous permet, nous, de nous recharger en eau. C'est de l'eau de pluie filtrée et stérilisée, potable, que Rangiroa offre à ses habitants. En fait, elle est beaucoup plus pauvre que Faka ou celle de Tikao, mais en fait, elle est connue parce que le courant, c'est là où il est plus fort. Et donc, c'est vraiment pour faire une dérivante. Par contre, ce courant fort amène à des, selon les moments, des grandes surprises. C'est l'endroit où tu as le plus de surprises, en fait. Toutes les autres passes, ce que nous ont dit un peu tous les spécialistes, Faka, c'est fabuleux, mais c'est assez attendu. Tikao, vous avez eu déjà les deux plus belles surprises qu'on peut avoir, c'est croiser un tigre et un grand marteau. Et je crois que Rangi, il peut y avoir vraiment beaucoup plus d'inattendus. Mais il faut avoir un coup de bol, il faut y rester. Mais Avatoru, c'est une bonne option, hein, vous avez raison. Sur ces conseils, nous quittons la passe de Tiputa pour aller explorer celle d'Avatoru, tout près du lagon vert. Thank you.
Il s'échouait dans la passe là comme ça? Non, c'était là-bas sur le récif de l'autre côté. Voilà. Et tous les clubs ils sont de l'autre côté, mais ici c'est plus joli. Oui, oui, c'est vrai. Et là, il y a eu hier sur tes bouteilles, les baleines, elles sont rentrées, on nous a dit. Oui, oui. Ici, ça arrive si aussi. Si tu veux, ici, c'était l'année dernière, ouais. Au mois de juillet. Ouais. Il y avait la maman et le petit. Qui sont restés un peu dans la passe. Voilà. Hein. Ben nous, ici, nous, on les respecte beaucoup. Hein. Ouais. Oui, les baleines, les dauphins. C'est important, hein, tous les animaux. Voilà. Et nous, on avait trouvé un dauphin mort. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu. Oui, c'était moi qui avais publié. C'est toi qui l'avais vu. Voilà. Okay, j'ai vu sur Internet. Voilà, avec mes enfants. Hein. Et c'était une femelle, je crois. Ils c'était une femelle, c'était Zélie. Elle avait mis bas. Ouais. Elle avait mis bas, mais je crois qu'elle n'avait pas pu rentrer jusque là-bas, Tiputa. Ouais. Voilà. La pauvre, elle s'est échouée. Oui, elle s'est échouée parce que ce jour-là, c'était carrément. Il y avait le cyclone. C'était une tempête ici chez nous. Ah ouais? Voilà.